Alors là, si beaucoup de pasteurs pouvaient faire comme ça, ce serait bien. Bonjour, frère, c'est bienvenue sur Souban. Que la paix Seigneur soit avec vous. Regardez l'écran. Où est ça? Aïe, aïe, aïe. Ce pasteur du Nigeria, Jeremiah, a donné 6 millions à 50 prostituées. Waouh! Et cela a changé leur vie. Que s'est-il passé? Je vais vous l'expliquer, mais vous allez vous-même. Vous allez vous-même. Vois ça de vos propres yeux. En fait, c'était ce jour-là même, un jour de l'église où on prie, elles sont arrivées à l'église. Et un moment donné, le pasteur s'est levé, il a dit, écoutez, Dieu veut changer la vie des gens ici. Et il a demandé à ce que toutes les prostituées de la salle puissent venir là deux fois afin qu'ils puissent prier pour elle. Et vous savez, quand on parle de prostitution, il y a beaucoup de filles qui ont honte. Certaines filles sont assises pendant que d'autres sont en train de courir et venir, comme ce que vous voyez là au milieu. Vous voyez, non? Voici comment elles sont arrivées devant le pasteur. Elles sont arrivées là. Elles sont déclarées prostituées. Il y a même une parmi elles qui a fait 20 ans de prostitution. C'est-à-dire qu'elle fait ce métier depuis 20 ans. Seigneur. Et elles sont venues. Elles sont venues pour que Dieu puisse vraiment changer leur vie. Vous voyez? Et voici comment elles sont arrivées là. Elles ont dansé. Elles ont participé à un concours de danse. Et le pasteur d'abord leur a donné une Bible, comme la Bible que vous voyez dans la main. Et après ça, voici l'argent. Il dit, voici, on a pu recueillir 5 millions. Il a dit d'abord 5 millions. C'est monté à 6 après, il pense. Et on a pu recueillir ça, c'est pour vous. Et en fonction de chaque personne qui se trouve là, vous voyez, on voit 350 000. 350 000 naira. C'est un naira comme ce Nigeria, c'est un naira. 350, c'est comme 350 000 francs CFA. Et en fonction d'elle, elle était la meilleure, c'est celle-là qui a gagné le concours de danse. Et il lui a donné les 350 000 francs. C'était, tu vas parler après tout à l'heure, après tout à l'heure, il allait la voir. Vous voyez, d'avant, il avait donné une Bible, prier pour elle d'abord, elle a donné une Bible. Elles ont dit vraiment qu'elle veut quitter de la prostitution. Elles ont prié tout ça avec lui. Et voici comment ça s'est déroulé. Voilà, voici comment elle recevait la Bible. Vous voyez, non, elle était triste, elle quittait le monde, c'est bizarre. Comment les gens vont les regarder, ils n'ont pas regardé à ça, elles sont venues parce que elle cherchait la délivrance réelle. C'est pourquoi elle était venue à l'église. Et voilà, là on voit les images où elles étaient assises, elles étaient à genoux devant Dieu, en train de prier pour que Dieu puisse vraiment changer leur vie, renouveler leur vie, tout transformer dans leur vie. Et tout ça, vous voyez. Et c'était ce qui s'était passé auparavant. Jusqu'à ce qu'on arrive au stade où il a demandé de danser parce qu'il y a un prix. Il a dit que celui qui danse le mieux, celui qui a bien dansé, aura un prix. Et elles se sont mises à danser. Elles se sont mises à danser comme jamais auparavant. Et c'est cette fille qui est là, celle qui est ici là, qui a remporté. C'est chaud, hein? Vous voyez toutes ces filles-là, elles sont des prostituées. Elles ont reconnu devant tout le monde que elles sont des prostituées. Elles sont venues pour que Dieu change leur vie, pour que le pasteur puisse prier, pour que leur vie change. Et voici ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, comme vous pouvez le voir. Voici comment c'était après la danse. Et oui, regardez. Quand elles avaient couru, elles étaient venues dans la salle. Regardez comment c'était. Elles sont courues, elles sont venues se prosterner devant Dieu comme ça. Pour dire, vraiment, Dieu, on se prosterne, on se met devant toi, pardonne-nous. Il faut nous pardonner nos péchés et tout ça. Regardez. Elles sont venues se demander pardon à Dieu pour la prostitution et tout ça. Et finalement, Dieu s'est souvenu d'elles et les a récompensées. 6 millions que vous voyez ici, là, c'est 6 millions de naira donné à ces filles-là. Et ces filles que vous voyez à l'écran va maintenant nous dire son ressenti, comment elle a ressenti la chose et tout ça.
Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons maintenant l'écouter. Et par en anglais, essayez de faire attention. Vous pouvez également m'aider d'attention, ok? C'est parti. Each person for 400,000. C'est pas passé. Do you take this? Elle dit chaque personne. À chaque personne, le monsieur a donné 400 000. Say no, like I said, no, we dance. We dance, but see, papa said, okay, if not so, you go bring extra money. Come on, say, who win the dance? Et il dit que le pasteur lui a dit que celle qui va gagner ce concours de danse aura vraiment le plus d'argent. So you go collect this money. I said, God, so then I'm my day to win that money. Et elle a dit, oh Dieu, aujourd'hui c'est mon jour pour gagner cet argent. The moment I dance. Et le moment où j'ai commencé à danser. When they appoint me, hey God, I'm so grateful. Elle dit que quand elle a gagné, vraiment, elle était vraiment reconnaissante avec Dieu. I'm so happy, fat. I don't even know how to even say thank you. Et elle ne sait pas comment dire vraiment merci à Dieu. In fact, Baba God, I said thank you. God, elle dit, oh Dieu, merci. You are worthy to be praised. Elle se marche, je remercie Dieu. I don't know, say God gave you bless me this day, today. Elle dit, vraiment, je ne sais même pas même que tu allais me bénir aujourd'hui. I'm a hairdresser. Je suis une coiffeuse. As man of God bless me with this money. Et c'est l'homme de Dieu qui m'a béni avec cet argent. I'm already a hairdresser, so I will use this money to go and buy attachments to open my own store. Elle dit qu'elle veut utiliser cet argent pour pouvoir créer son propre business maintenant. My advice to them is just like when Papa call a shower her. That word of a shower, they hard for person to come outside. That word of a shower, it's just like when you come outside there. Go go cash, you will see the crowd. Picture is just the full world. Now they see you anywhere you day, my fellow guests, my fellow women, anywhere you day, any church we go at all. I shall will say, John, prostitute, quoi. When pastor just come as I say, anybody will they do that work. If you like, not stand for streets, do your ass, they do. Come outside of course, you don't know the day where your day will break. Today, now August break, we come for the break program. Now, today, my own door break. Thank you, Jesus. I'm Jenny Ndoko. Et remercie Jésus-Christ. Là encore, on va entendre une autre femme qui va témoigner de tout ce qu'elle vient de recevoir. Et c'est cette femme qui est juste là, là. Juste là, ici, là. C'est elle qui va témoigner. Nous allons maintenant l'écouter. From Imo State, I came out because I have the intention that one day the man of God will locate me. Elle dit qu'elle est venue à l'église parce qu'elle s'est dit que elle croit qu'un jour un homme de Dieu va la localiser. I've been going to mountain to be praying on top of this particular issue that the man of God should locate me so that I will be free. I will not finish my prayer in the mountain and get down to that place. The thing has been bothering me. How will I get a house and start worshiping God? So today I'm not surprised because I have the belief and the faith that all things are going to be possible today. And today God of Jeremiah Fufeni have made this true in my life today, and I believe that there's nothing that you're looking on end. Once you step in here, you are free. Blessed be to the holy name, mighty God of prophets. Elle a reçu beaucoup d'argent, c'est 400 000 Jeremiah Fufeni, Amoto Fufeni. I'm not only because of this money. I have my Bible here so that I can be prayerful, steady. I'm with my Bible to contact with God. Elle veut maintenant étudier la Bible pour être en contact avec Dieu. So that with the Bible and the money, everything will go well. In present in God's face. I want to start a bail business. Bobo. Elle veut commencer. Son propre business. I want to give them a very brief advice that no matter your situation and your condition, believe, go to the right place for the right purpose, for the right time. Elle dit, quel que soit le problème que vous avez, croyez, allez au bon endroit, au bon moment. God will surely locate you. And et Dieu va vous localiser. I'm a testimony in this place because I've been going to the mountain, praying, God, move me from. I don't want to pray and go back to my
to the life I'm living and spoil my prayer. Today now I'm a testimony, and I'm coming back surely with my family to come and testify the goodness of God in my life. Now I'm saying thank you to Jesus, thank you, Senior Prophet Amoto Fufeni, thank you, my mama. Et remercie le pasteur et merci tout le monde, sa maman, les gens qui l'ont invité à l'église. My spiritual mama, I thank you. Sa maman spirituelle. Very, very much for all what you have done. Amen. Voilà. Et vous voyez que l'une après l'autre témoigne de ce que Dieu, de ce que l'homme est venu de faire pour elle. Par exemple, celle qu'elle a, si cette la fille qu'elle va maintenant parler, et voici une image qui peut bien la montrer. Voilà. Voilà, c'est elle qui est ici là. Juste ici là, c'est elle qui va parler, la fille qu'elle a. Nous allons l'écouter maintenant. Écoutez. Stephen, I'm from Ebony State. I came out because I was tired of it. I'm ashamed of it because I can't even walk. Because. Et elle était vraiment fatiguée de sa vie parce que sa vie, ce qu'elle fait avec la prostitution, et elle ne peut même pas travailler. Because people are pointing me that I'm doing. Parce que les gens sont en train de l'indexer. Prostitution. I was. Je dis que ah, c'est la scène prostituée. Very ashamed for 2 years now. I'm very. Et elle fait ça depuis 2 ans. Excited. I'm so grateful for what you did for me. I didn't. Et elle est contente pour ce que le pasteur a fait pour elle. Even expected. Elle est contente pour ce que le pasteur a fait pour elle. Elle n'espérait pas cela. I would advise other pastors there to help other people, not by just dashing them money. But you have to learn to be humble, just like the way it is. Et elle a tous les autres pasteurs à aider les gens comme ça, à être un comme ce pasteur. Elle aimerait que le pasteur puisse aider les gens. To my work, I'm a makeup artist and elle veut aller maintenant continuer son travail. Elle est une make-up artiste. Genre, elle fait l'artiste dans le maquillage. Stylist. My advice to the people watching me, most especially to my fellow sisters out there, I would advise them to put their situation in God's hands. To say the truth, I would have not come because I faced a lot of things before I came here. I did not know anybody to call. So one man just called me and said that he will offer me money. I think about it that I will go and sleep with him because of 2,000 naira. Yes, comment les gens veulent coucher, comment elle couchait avec les gens juste à cause de 2000 francs, mais de 2000 naira, vraiment. I think about it and I told my friend that I don't want to miss church and there's no money with me. She said, okay, let me go and do it so that I can go to church. So I did it and collected the money. After collecting it this morning, I woke up around 3 o'clock to get ready because she says it's by 5 o'clock. I just said I will not go to the church again. Surprisingly, she just came. I'm so very happy. That is why, to me, that is why it's good to keep good friends. Because if not for her, and you should not keep quiet. If not that I opened my mouth and told her that I was tired of my situation, all this, I wouldn't have experienced all these changes. Elle dit qu'elle a expliqué vraiment sa situation à une amie pour dire vraiment je suis fatiguée. Les gens m'intéressent pour dire que je suis une prostituée. Je n'ai pas même à trouver du travail parce que même du coucher les gens pour 2000 francs, vraiment c'est compliqué. Vraiment, et sa camarade lui a dit viens, va à l'église. Et elle a écouté. C'était difficile, mais elle a écouté. Regardez ce qui s'est passé. C'est pourquoi vraiment elle dit vraiment ayez de bons amis dans votre vie. I'm so grateful to Prophet Jeremiah. And Mercy Land, I'm very grateful. Thank you, God. Elle est reconnaissante pour ce que le pasteur Jeremiah a fait pour elle. Spiritualist, you might be killed through this. Use our Father and the Lord to do for us. If every man of God should put this into practice, Nigeria will never remain the same. Elle dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Nigeria, les pratiques, les sacrifices humains, toutes ces choses. Elle dit que vraiment, ce que le pasteur vient de faire, c'est vraiment une bonne chose. Si vraiment les gens pouvaient le faire comme ça, vraiment le Nigeria ne sera plus le même. Beaucoup de choses vont changer au Nigeria.
elles sont vraiment reconnaissantes pour tout ce que le pasteur vient de faire pour elles. Et voilà. Mes frères et sœurs, voici ce que j'ai vu, que j'aimerais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si les pasteurs commencent à aider les gens comme ça aussi, dans ce sens, ce serait bien. Vous savez, prier pour les gens, c'est bien. Donner des dons aux gens aussi, c'est très bon. Mais l'argent, ça guérit. L'argent guérit plus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Regardez comment ça te danse. L'argent guérit plus. Ça là, vraiment, ça va marquer la vie à jamais. Celles qui sont intelligentes vont utiliser cet argent à bon escient. Elles vont utiliser cet argent pour créer un vrai business, faire des choses extraordinaires. Et le plus important, c'est qu'elles ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ça va changer leur vie. Je prie que ce soit vrai, que ce soit réel, que ce ne soit pas encore un montage. C'est ce que je prie, mais c'est une belle image, c'est une belle image. Vous pouvez le faire pour de vrai. Pour le faire, pour le faire. Ce sont des prostituées. Ce sont des prostituées. La fille qui veut dépanner, c'est elle qui est ici là, c'est elle qui est ici là, vous voyez. C'est elle qui a dit que, ça, elle dit que partout elle va, on l'indexe. On dit, oh, regardez celle-là, c'est une prostituée, c'est une prostituée. Est-ce que vous la voyez, est-ce que vous la connaissez? Même pour trouver un travail, c'était compliqué pour elle. Vous voyez ça? On dit que maintenant, avec l'argent qu'elle a reçu, elle pourra ouvrir un business grâce à Dieu. Oh mon Dieu. Vous avez vu ça? Pour la joie du peuple. Regarde cette fille qui est là, j'étais là, mais regarde là, j'ai là, comme ça, dit, ça ne faisait pas que ça me rate. Il ne faisait pas que ça me rate, oh, il ne faisait pas que ça me rate. C'est parce qu'on a l'église dessus, l'autre, mais il y a un bondi dessus là. Vraiment, que Dieu protège ces filles et qu'il les garde, qu'il illumine les guides, vraiment. J'aime bien cette fille-là, elle est calme, elle est tranquille, elle tient sa Bible dans sa main, tranquillou. Mais il ne faut pas se fier à sa apparence. Vraiment, toutes ces belles filles dans de telles situations, dans la prostitution, à cause d'une histoire de la vie. À cause d'une histoire de la vie. Vraiment, c'est dommage. S'il y a beaucoup plus de personnes qui aident les pauvres, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Regardez le nom. Regardez le nom. Elle courait. Souvent, quand il y a une opportunité, on se dit, venez, venez de l'homme à Dieu. Venez de l'homme au Seigneur. Ne ratez pas de telles opportunités. On n'essaie jamais. Elle ne savait pas qu'elle allait avoir l'argent. Elle ne savait pas qu'il y avait les jetons qui allaient sortir dedans. Mais le plus important, c'est que Dieu a pardonné leur péché. C'est ça, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nostribol. Que Dieu bénisse.